Bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste pour savoir si vous m'entendez bien. Je sais qu'il y a un peu de latence entre les deux. Bon ben c'est parti. Merci d'être présent ce soir sur un petit stream rapide, une petite heure hein, de 18h30 à 19h30 pour réagir à l'actualité, actualité que tout le monde a vu, je pense, et entendu autour de la première dame. On me dit que mon son n'est pas assez fort. Je vais essayer de le monter. Et il est déjà à fond. Je vais voir si je peux faire mieux. De monter un peu le son de mon micro pour que vous m'entendiez mieux. Ne pas casser vos oreilles non plus. Alors pourquoi pas PUBG? Tout simplement par rapport à l'actualité, ce aurait pu être PUBG. Et en vrai, je pense que je serais meilleur à PUBG que à Fortnite parce que pour construire, c'est pas forcément là où je suis meilleur, en toute transparence. Voilà. Les constructions, je joue pas assez pour maîtriser l'ensemble des raccourcis, donc PUBG aurait pu être une bonne solution aussi. Mais voilà, l'actualité fait que j'ai pris Fortnite. Alors, est-ce que j'arrive à monter mon son? Là, je suis au maximum, maximum, maximum. Donc à vous de monter le son. Il faut vraiment que j'arrive à trouver une solution. Alors, où est-ce que je peux trouver ça? Microphone. Ce que je vais faire peut-être, je vais tenter un truc et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais carrément lever mon entrée micro et prendre celui de mon ordinateur. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que comme ça vous m'entendez mieux? Souvent ça marche mieux comme ça. Super, on va faire sans casque. Si vous entendez mieux comme ça, c'est l'essentiel. C'est peut-être mon micro casque qui doit plus être très 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 bon. Un truc bas de gamme que voulez-vous, peut-être que j'investisse. Donc je reviens sur la question pourquoi Fortnite et pas PUBG, parce qu'en fait l'actualité, je fais ce stream par rapport à l'actualité et par rapport aux propos qui ont été attribués à Brigitte Macron, à la première dame. Peut-être avez-vous vu certains passages dans la presse sur TV7 jours. Je crois que c'est le premier que j'ai vu qui disait un truc du genre Brigitte Macron a dit que Fortnite c'était terrible et qu'elle allait s'engager contre la nocivité des jeux vidéo. Et d'ailleurs, on a eu un rebond de femme actuelle qui a carrément dit Brigitte Macron rentre en guerre contre les jeux vidéo ou une phrase de ce type-là. Et donc d'ailleurs, j'ai bien aimé la réaction qu'a pu avoir BFM TV par son journaliste, Benoît Galré, qui expliquait en fait la source de comment s'était lancé ce message-là. Et en fait, ça s'est passé tout simplement suite à un déplacement de Brigitte Macron pour une opération pièce jaune.
Elle a participé à un spectacle de théâtre, donc de jeunes qui ont fait théâtre. Et dans la dans la scène, dans le théâtre, dans la pièce de théâtre, ils abordaient justement le fait que parfois certains jeunes avaient du mal à arrêter Fortnite. Et donc elle avait juste une petite phrase. La première dame, je me la suis notée pour pas l'oublier. Fortnite, c'est terrible. Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu'ils arrêtent? Voilà. Et donc c'était la Nouvelle République qui était présente et qui avait mis ce petit passage dans son article, d'ailleurs qui n'était même pas le titre. Et derrière, de fil en aiguille, les médias ont donné des propos à la première dame qui n'étaient pas ceux qu'elle avait tenus. Et donc j'ai profité de l'occasion pour faire un stream justement autour de Fortnite et pour pouvoir aborder avec vous les travaux que j'ai réalisés depuis maintenant que je suis député, donc depuis 3 ans et demi, sur les sujets de ce qu'on appelle l'addiction aux jeux vidéo. Et j'appuie sur le fait addiction parce que aujourd'hui, le terme addiction n'est pas forcément un terme qui est valide pour l'industrie du jeu vidéo, ou du moins pour la pratique du jeu vidéo. On parle plutôt de pratiques excessives. C'est l'OMS qui a travaillé sur ces sujets-là. Et donc je vous propose d'échanger autour de cette thématique-là. Et donc je vous propose de lancer ma première game de Fortnite, tout en sachant que je ne suis pas forcément un super, super, super joueur. Voilà, et je tiens à votre disposition si vous avez des questions. Et je vais lancer la partie. Et voilà. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous entendez bien le son du jeu? Oui, ben je vais peut-être annuler. Par contre, il faut que je t'invite. Faut que je t'invite. Et il faut que tu m'envoies ton log. Je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs. Donc vas-y, si tu peux me passer ton... que je puisse t'inviter. Entre le moment où je parle et le moment où vous l'entendez, il passe un peu de temps, donc c'est pour ça que j'attends. Excusez-moi, il y a mon fils qui est passé me voir. Mais je lance cette première partie, ça montrera le niveau. Donc, on parlait de l'addiction. Et je rappelle, en fait, c'est l'OMS qui, en 2019, a abordé la première, puisque c'est une organisation, ce sujet-là. Donc, l'OMS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est. Je dirais l'organisation référente sur tous les sujets de santé au niveau mondial. Et donc, elle a défini ce qu'on appelle les troubles de jeux vidéo. Pareil, je me suis noté la définition parce que c'est super technique. Et je vais vous la lire parce que il faut vraiment dissocier l'addiction aux troubles. On ne parle pas de troubles, on parle de ce qu'ils appellent eux. Le gaming disorder, donc qui est traduit en français par le trouble du jeu vidéo. Excusez-moi. Donc c'est parti. Donc le trouble du jeu vidéo ne touche qu'une petite partie. Alors, la définition. Je vais vous lire ça après en fait parce que là je vais avoir du mal à le faire en même temps que je joue. Et donc dans ce cadre-là, moi j'avais réalisé une table ronde il y a à peu près 1 an et demi au niveau de la BNF, je ne sais pas si c'est la BNF,
c'est la Bibliothèque nationale de France. Et donc, on avait abordé le sujet avec de nombreux spécialistes. Il y avait donc, 4 spécialistes qui étaient présents sur la deuxième partie, puisque la première partie avait été organisée par ma collègue Audrey Dufeu sur la notion d'addiction aux écrans. Et donc, cette deuxième partie, c'était sur les troubles liés aux jeux vidéo. Il y avait 4 invités. La première, c'était Marion Aza, qui est donc une psychologue et spécialiste du sujet. Le second, c'était Olivier Fan, qui est donc, lui, un psychiatre et un spécialiste en neurosciences. Il y avait enfin 2 autres personnes, Olivier Andrieux Girard, qui est donc le responsable de Pédagogeux. Pédagogeux, c'est une association qui vise à accompagner les enfants, mais aussi les parents, quant à leur pratique du jeu vidéo. Et enfin, il y avait Jean-Michel Delisle, qui est donc lui le président, qui était le président, je ne sais pas s'il est encore, de la Fédération Addiction. Ces débats-là ont été filmés, et moi je peux vraiment que vous encourager à en prendre connaissance, parce qu'il y avait pas mal d'éléments importants. Si je dois retenir, moi, quelques éléments sur ces échanges-là, c'est le fait que la pratique excessive de jeux vidéo, le game disorder, est souvent lié à d'autres difficultés, c'est-à-dire de façon beaucoup plus synthétique, le fait de passer beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, voire trop de temps à jouer aux jeux vidéo, est souvent lié à un mal-être et à des difficultés. À des difficultés psychologiques. Et voilà, comme ça j'ai pas pris la honte. Des difficultés psychologiques, c'est-à-dire qu'au niveau du quotidien, la personne qui se trouve parfois en échec scolaire ou en phobie scolaire a tendance à se réfugier au niveau dans le jeu vidéo. Voilà, et c'est souvent une stratégie d'évitement, de fuite quant aux difficultés sociétales auxquelles la personne peut être confrontée. Ça, c'était vraiment l'un des points principaux, c'est-à-dire que quand un jeune passe trop de temps à jouer aux jeux vidéo, souvent c'est que au sein du foyer familial, au sein de ce qui se passe autour de lui, il se sent pas bien. Ouais, donc il appuyait sur le fait que les entités compétentes pour accueillir le jeune devaient vraiment prendre le recul nécessaire par rapport à la pratique excessive, qui était souvent symptomatique d'autres difficultés sociétales. Il y a eu aussi vraiment une réflexion sur qu'est-ce qu'une pratique excessive, c'est-à-dire que est-ce que la pratique excessive se définit en nombre d'heures, en nombre d'heures jouées, donc en nombre de jours joués, et là-dessus, ça a été quand même assez compliqué d'avoir une analyse précise, et le consensus qui sort aujourd'hui, c'est que la notion de pratique excessive est plutôt liée au maître qu'à la personne par rapport à son temps de jeu. C'est-à-dire qu'on peut jouer beaucoup aux jeux vidéo mais pas se sentir mal et se sentir assez heureux. Et par contre, jouer beaucoup aux jeux vidéo et se sentir malheureux. Donc c'est vraiment l'une des thématiques qui a été amenée, c'est voilà, la notion de pratique excessive, c'est quand les personnes souffrent de leur temps de jeu. Et aussi lorsque les personnes laissent tomber des activités qui leur plaisaient pour passer beaucoup de temps sur le jeu vidéo. On considère aujourd'hui de façon assez scientifique que environ 1%, alors ça va entre 0,3 et 1% des joueurs
peuvent être dans la notion de gaming disorder, c'est-à-dire de pratique excessive du jeu vidéo. Voilà. Et il est même apparu, et il y a des travaux qui se font là-dessus, que la pratique excessive du jeu vidéo pouvait éventuellement aussi être positive d'un côté, c'est-à-dire que, enfin positive entre guillemets, c'est-à-dire que la pratique excessive du jeu vidéo, quand on voit que les chiffres augmentent, on se rend compte en parallèle que les chiffres d'addiction aux drogues ou autres, eux, baissent. C'est-à-dire que... Les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, comme ils passent plus de temps à la maison en train de jouer aux jeux vidéo, ont moins tendance à sortir de chez eux et donc à être tentés par d'autres addictions. C'est pas pour autant qu'il faut s'en satisfaire, attention, c'est pas ce que je dis, mais on voit qu'il y a souvent une notion de corrélation, c'est-à-dire que les gens qui sont fragiles ont tendance rapidement à tomber, ou plus facilement plutôt à tomber dans des schémas d'addiction. Et que la pratique excessive du jeu vidéo est potentiellement moins néfaste que certaines autres pratiques, même si elles ne sont pas satisfaites. Il faut marquer il, non, je ne vois pas trop ce que dire, le bandage, parce que le bandage, je suis déjà à 100%. Donc voilà, alors j'en suis où là? Ben, j'ai fait quand même 5 kills, c'est pas mal. J'espère que je vous mets pas trop la honte, du moins que vous trouvez que je joue pas trop mal pour un Bambi en vrai. Vous voyez mon skin, donc c'est pas forcément non plus, je suis pas non plus forcément un super grand joueur. Je sais pas si peut-être vous avez déjà des premières questions par rapport à mes propos, par rapport à ces propos liminaires. Je suis en train d'essayer de prendre un peu des meilleurs équipements. Je vais donc utiliser mon harpon pour. On espère avoir au moins des bandages ou un truc comme ça. Alors, en effet, le sujet, lors du débat de la table ronde qu'on a eu, c'est moi qui ai vu une balle passer. Le sujet pay to win a été abordé. En fait, ça a été abordé sur le fait de la difficulté qu'ont les parents, les parents à maîtriser. Les parents à maîtriser la pratique de leurs enfants. Je m'explique, c'est-à-dire que certains parents, quand ils voient un jeu gratuit, ils disent que c'est vraiment gratuit, et en vrai, lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est vous le produit. Et donc, ce qui est important, et ça rentre dans les travaux que j'ai menés dans un second temps, c'est l'explication aux parents à la pratique du jeu vidéo. Donc je me suis fait avoir tant pis. Je sais pas, c'était Saélur, c'est ça qui souhaitait faire qui souhaitait se joindre. Donc que j'explique la notion de pay to win, de loot box, de free to play, tous ces outils-là qui ont vocation, il faut pas se mentir, à essayer au maximum de rentabiliser le jeu vidéo. Ce sont des jeux vidéo qui, pour beaucoup, coûtent très cher à développer. Et donc, afin de, dans un premier temps, de lutter contre le piratage, et dans un second temps, de trouver des business models différents, de nombreuses stratégies ont été mises en œuvre.
afin de pouvoir récolter le maximum de revenus. Certains parents, par exemple, pensent que seule la carte bancaire peut être utilisée pour pouvoir acheter sur des jeux tels que Fortnite pour un skin, alors qu'il existe plein d'autres outils, je pense principalement aux cartes prépayées. Et donc beaucoup de parents ne maîtrisent pas ce sujet-là. Et là-dessus, il y a un vrai travail. Je sais que par exemple l'association Pédago-Jeux, mais ce n'est pas la seule, essaye de, j'utilisais le terme, former, accompagner les parents pour qu'ils puissent maîtriser au mieux la pratique vidéoludique de leur enfant. Et dans ce cadre-là, moi j'ai fait des travaux, j'ai rendu des conclusions et j'appuie vraiment sur deux axes principaux qui sont liés l'un à l'autre. Ah, bah, tant pis, c'est l'ordre. Deux axes qui sont liés l'un à l'autre. C'est l'accompagnement des jeunes à la pratique vidéoludique dans le cadre scolaire et l'accompagnement des parents pour la maîtrise du jeu vidéo. Principalement de type que je qualifierais e-sportif, c'est-à-dire du jeu vidéo compétitif, mais pas que en fait. Mais pas que. Ces travaux d'ailleurs que j'ai réalisés au sein de la commission des affaires étrangères, de l'affaire économique, excusez-moi, pointent de nombreuses propositions, mais quelques-unes que je souhaiterais aborder avec vous. Le premier, c'est comment on peut permettre aux enfants d'avoir une pratique vidéoludique tout en assurant qu'ils puissent avoir une scolarité exemplaire. J'ai été, si on parle de Fortnite, assez, je sais pas si le terme embêté est bon, mais j'ai pas mal regardé ce qui s'est passé à l'époque des mondiaux de Fortnite. C'était au mois de juillet, il y a 18 mois, si je crois. C'était le juillet, il y a un an et demi, où Fortnite a expliqué que tout le monde pouvait jouer de sa chambre et potentiellement devenir le futur champion du monde et toucher 3 millions de dollars. En vrai, je crois que c'est une vision assez rapide et que des joueurs comme moi, par exemple, naturellement pas bon au jeu de tir, vous avez pu voir d'ailleurs mon niveau, soit d'ailleurs FPS ou Battle Royale, je suis vraiment pas forcément un bon, ça va pas être rapidement. Vous n'avez pas pu se concentrer pour ça. Ah, je suis mort. Je crois peut-être pas dû aller. Voilà, donc justement, c'est ça, je suis pas forcément bon et j'aurais beau m'entraîner, je n'y arriverai pas. Et le jeu Fortnite a fait espérer à beaucoup de personnes, à beaucoup de jeunes, qu'en s'entraînant, ils pourraient devenir des super joueurs et que donc certains sont parfois prêts à arrêter leur scolarité dans l'objectif d'atteindre le top niveau. Il y a, c'est vrai, des joueurs qui sont au top niveau, mais ils restent relativement faibles par rapport au nombre de joueurs qui, eux, souhaitent devenir des stars. Et donc, l'échec est important. Et je crois que l'objectif, il est de construire une stratégie éducative qui part certainement, je pense, de l'école primaire, à partir certainement de la sixième, mais ça peut être à réfléchir, pour accompagner les jeunes, pour qu'ils puissent, en parallèle d'une pratique vidéoludique, assurer une scolarité. De façon plus précise, ce qu'il faudrait, c'est que, par exemple, les mercredis après-midi, quand j'étais jeune, parce que je suis un boomer, ça a été marqué tout à l'heure, on faisait de l'UNSS, c'est-à-dire la pratique du sport, 2 à 3 heures par mercredi. Ben, en complément de cette pratique sportive, ce qui serait à mon sens nécessaire, ça serait de réaliser de l'accompagnement aux jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on jouerait, les jeunes joueraient 1 heure ou 2 en étant accompagnés de professionnels qui puissent leur donner les bons outils pour maîtriser la pratique du jeu vidéo.
Il est d'ailleurs faux de croire qu'on devient bon en jouant beaucoup. Il y a vraiment des méthodes de progression qui ne nécessitent pas forcément un temps de pratique important. Et en vrai, quand on est comme moi, c'est pas forcément en jouant 15 heures par jour que j'aurai le niveau demain. Voilà, il faut pas se mentir. Donc, premier axe, c'est un accompagnement léger, si je puis me permettre le terme, pour les jeunes. Et permettre dans un second temps, quand le jeune prend un peu d'âge, c'est-à-dire quand il se rapproche du lycée, d'avoir peut-être une pratique un peu plus importante du jeu vidéo, tout en insérant une scolarité, avec l'objectif, in fine, d'arriver à un niveau de ce qu'on peut appeler le sport-études, qui pourrait être d'ailleurs appelé l'e-sport-études, mais qui obligerait le jeune, et je pense que ça c'est extrêmement important, à continuer à pratiquer, enfin à aller à l'école, tout en essayant de progresser au jeu vidéo. L'objectif, il est double à mon sens. Il est bien sûr de bien former nos joueurs, mais pour moi, c'est même pas forcément le plus important. Il est surtout de permettre aux jeunes qui arriveront pas à devenir e-sportifs professionnels d'acquérir des compétences pour rentrer dans le monde du travail sur des métiers qui peuvent être assez proches du jeu. Qui puisse être assez proche du jeu vidéo. Ah bon. Désolé. Donc assez proche du jeu vidéo, c'est-à-dire que lorsque on fait de l'e-sport, ou qu'on essaie dans une école, on peut apprendre aussi tout ce qui est lié au métier du numérique. Tout ce qui est lié aussi au métier de la communication, on voit très bien aujourd'hui que souvent l'un est lié avec l'autre. Outre le fait d'accompagner les jeunes qui réussiront, c'est de préparer, de donner des portes de sortie aux jeunes qui sont plus en difficulté, qui ne réussiront pas. Ça c'est le premier point, c'est-à-dire toute une stratégie d'accompagnement des jeunes pour qu'ils n'opposent pas le jeu vidéo à la scolarité, mais que ce soit vraiment intégré. Le deuxième point que je vois, et là c'est pour moi extrêmement important, c'est la relation parent-enfant au travers du jeu vidéo. C'est-à-dire de façon plus précise que... là on est en train de jouer à Fortnite. Imaginez, dans le meilleur des cas, ce qui serait génial, mais c'est pas forcément possible, que je suis... qu'il n'y a plus que 5 ou 6 joueurs et que je vais essayer le top 1. Là on pourra dire... Je serai à fond derrière mon écran. Et là, imaginez qu'à ce moment-là, mes parents m'appellent en me disant « Denis, viens passer à table. » La réponse que le jeune fait de façon naturelle, c'est de dire « Maman, papa, je peux pas là, je suis en train de faire mon top 1, laissez-moi le temps. » Sauf que, de l'autre côté, il faut aussi comprendre les parents qui, eux, ont travaillé toute la journée, qui sont fatigués, qui savent pas comment fonctionne Fortnite et qui ont envie aussi que leur enfant l'écoute rapidement, enfin leur enfant l'écoute, et qu'il puisse rapidement venir à table. Et là, ça va agacer les parents qui vont devenir agressifs ou qui vont faire des réflexions aux enfants. Et les enfants, eux, vont devenir aussi tendus parce qu'ils n'ont pas envie de finir leur partie. Et je crois que l'objectif, il est vraiment d'expliquer aux parents comment fonctionne Fortnite, de faire un peu, je dirais, l'interface parent-enfant en disant, voilà, une petite astuce, lorsque vous voulez jouer à Fortnite, et je ne vais pas vous mentir, hein, c'est l'astuce que moi j'ai mis en œuvre avec mes enfants, c'est que je leur dis, ben voilà, vous pouvez jouer à Fortnite, par contre, il y a plusieurs règles. La première règle, elle est importante, c'est celle qui consiste à dire que on ne joue pas à Fortnite tant que les devoirs ne sont pas faits. Et les devoirs doivent être contrôlés, donc on les contrôle. Et ce que je peux vous garantir, c'est que depuis que mes enfants ont compris la technique, ils font les devoirs beaucoup plus vite. Voilà, et ça crée déjà moins de tension. Et dans un second temps, c'est de dire aux enfants, voilà, tu fais ta partie tranquillement, mais sache, et c'est important de savoir, qu'à 19h, tu vas passer à table.
Voilà. Et que donc, à partir de 18h45, tu ne lances plus de nouvelles parties, mais tu viens plutôt nous voir et nous aider à mettre la table, par exemple. Et si l'enfant respecte bien ses règles, et ça, c'est ce qui est important d'échanger avec les enfants, ben, ça permet à l'enfant de pouvoir pratiquer un loisir qui le rend heureux, et puis surtout le fait de pouvoir jouer avec ses copains. Et dans un second temps, ça permet aussi aux parents d'utiliser l'outil Fortnite pour arriver à leur objectif qui est quelque part d'éduquer leurs enfants et donc qu'il n'y ait pas forcément de tension. Donc voilà cette vision-là. Alors comment on pourrait mettre les enfants et les parents autour de la table? Ça, c'est à mon avis un vrai sujet. Et je crois beaucoup, moi personnellement, à l'utilisation de... Je récupère ce que j'ai. Je crois beaucoup à cette session des clubs sportifs. C'est-à-dire qu'on pourrait dire le samedi, par exemple, ou le mercredi pour les plus jeunes. Voilà. Est-ce que je l'ai pris ça? Allez faire. On va sortir. Ça sera donc une heure de sport, football, hockey, handball, basket, et 2 heures de jeux vidéo accompagnés d'un professionnel. Donc ça permettrait, comme au niveau, ce dont je parlais tout à l'heure, au niveau de la scolarité, de mieux accompagner les jeunes qui veulent progresser. Et ça permettrait aussi de pouvoir recevoir les parents et expliquer aux parents comment fonctionne le jeu vidéo. C'est ça ce qui me semble extrêmement important, c'est vraiment de pouvoir créer cette compréhension entre deux mondes, deux générations qui parfois ont du mal à se comprendre. En fait, je vais aller voir ce qui s'y passe, si je peux en attraper un. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, je me suis fait avoir par un mauvais. Je suis encore plus mauvais que lui donc. Salut ma petite carpe. Et donc, voilà, l'objectif, il est vraiment de trouver un espace où on peut transmettre aux parents l'ensemble des tips et astuces pour être le plus positif avec le jeu vidéo. D'ailleurs, je reviens vu qu'il y a une micro-pause là, sur la notion de gaming disorder qui a été définie donc par l'OMS, et d'ailleurs qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Voilà, et donc, voici les termes de l'OMS. Le trouble du jeu vidéo défini dans la 11e révision de la classification internationale des maladies, CIM11, comme un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques, se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit de répercussions dommageables. Donc, dans la notion de répercussions dommageables, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que la notion de pratique excessive n'est pas forcément mesurée en nombre d'heures, bien que c'est important, mais surtout sur la façon dont le jeune vit le nombre d'heures qu'il passe devant son écran. Comme je le disais souvent, c'est un exutoire, c'est-à-dire que c'est une pratique qui vise à penser à autre chose que ce qui peut être notre souffrance au sein de la scolarité, mais aussi au sein de la famille. Parfois, c'est aussi quand on a du mal à pouvoir discuter avec ses parents, lorsqu'on n'arrive pas à se sentir aimé ou lorsqu'on souffre. Et voilà, le réflexe, c'est d'être de dire, ben, je me referme sur quelque chose où je me sens heureux, et peut-être le jeu vidéo. Il faut pas dépenser, enfin, chacun fait ce qu'il veut de ses 1000 euros, mais je ne pense pas que ce soit judicieux. Enfin, je sais pas si vous avez vu mon skin, j'ai pas de skin en fait. Et je crois qu'à un moment donné, il faut aussi savoir se raisonner quant à ses dépenses.
Est-ce qu'il y a éventuellement des questions, des interrogations par rapport à mes propos, ou peut-être même un petit guide pour que je sois un peu meilleur sur Fortnite, hein. Je suis aussi preneur parce que comme vous avez pu le voir, suis pas forcément le meilleur pour faire des top 1. Bon, lui par contre était très mauvais. Il est vrai, d'ailleurs sur Fortnite ou même sur FIFA, et je me rappelle à l'époque c'était Star Wars Battlefront, je crois, hein. Vous me coupez si je dis une bêtise, hein. Je suis pas autant spécialiste que vous. Et d'ailleurs, Star Wars Battlefront, pour moi, ça avait été vraiment intéressant à suivre. Donc pour rappel, ce qui avait fait pas mal de bruit sur ce jeu-là à l'époque, c'était les lootbox, avec le fait que ben forcément il y avait une notion d'aléatoire, de random dans l'attribution de ce qu'on pouvait récupérer dans la lootbox. Ça, ben j'ai un problème. La communauté avait vraiment réagi de façon très active, pointant le fait que ça ne convenait pas et le jeu n'avait pas fonctionné. Et je crois qu'à un moment donné, faut vraiment pointer le fait que la réussite d'un jeu passe avant tout par le fait qu'il y ait des gens qui achètent ou qui n'achètent pas. Et que c'est donc la communauté qui fait qu'un jeu marche ou pas. Et je crois que ça a un peu une notion d'autorégulation sur tout ce qui est système de. Comment dire, de lootbox et d'aléatoire. Bien que sur FIFA, ça, il y a des gens qui, malheureusement, et d'ailleurs c'est le cas aussi sur Fortnite et sur de nombreux autres jeux, des gens qui malheureusement maîtrisent mal leur pulsion d'achat. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Et pour aller même plus loin. Je vais ranger un peu mon sac en même temps que je vous parle. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, la vraie question, et c'est une question que j'ai pu avoir, l'échange que j'ai pu avoir avec certains de mes collègues députés, c'est devons-nous ou pas réguler les loot box? La Belgique, par exemple, est interdite. C'est interdit en Belgique. Moi, j'ai préféré plutôt avoir un échange avec les syndicats en disant que je comprenais que si le jeu était gratuit, à un moment donné, il fallait aussi que l'entreprise qui développe le jeu puisse gagner de l'argent. Et je vois pas forcément ça d'un mauvais œil, hein. Il faut bien qu'ils payent les salaires des personnes qui sont au sein de l'entreprise. Mais par contre, une fois que j'ai dit ça, il fallait que ça soit fait de façon. De façon sans abus. Voilà. Et qu'il fallait que le secteur par lui-même s'autorégule pour que, il n'y ait pas des abus trop importants. Bonsoir, monsieur Rejeton. Monsieur Prince. Bonsoir, GTWK. Peut-être des questions ou des propos, des choses qui vous viennent à l'esprit par rapport à ces travaux. Peut-être. Voulez-vous savoir les prochains travaux qui sont prévus par le groupe d'études jeux vidéo de l'Assemblée nationale que j'ai la chance de présider? Voilà, donc. Je suis à votre disposition. Donc, je vois Monsieur Springs, j'imagine que c'est un passionné de musique américaine pour avoir ce pseudo. Oui, il fait un besoin. C'est vrai que là-dessus, et c'est le cas d'ailleurs sur Fortnite, mais c'est le cas aussi sur d'autres jeux, ils font certains studios qui développent les jeux vidéo font appel à des spécialistes du comportement et développent vraiment
des jeux qui ont une notion d'attractivité, voire même d'addiction, même si on parle plutôt de pratique excessive, plus importante que d'autres. Lors de la table ronde, j'avais eu une remarque qui m'avait fait rire, c'est une personne qui a dit « J'ai jamais vu d'addict à Tetris ». Et en effet, il y a des jeux qui n'ont pas forcément de côté attractif et addictif. Et d'ailleurs, un des outils qui est vu pour déterminer si une personne pratique ou est addict, entre guillemets, à un jeu, c'est de savoir à combien de jeux il joue. En fait, si vous passez pas mal de temps sur des jeux, mais que vous avez vraiment une grosse rotation de jeux, c'est-à-dire que vous faites de Assassin's Creed, vous faites du Tetris, vous faites du Fortnite, vous faites du WoW, vous faites tous ces jeux-là, on ne peut pas forcément parler d'addiction ou de pratique excessive. L'une des caractéristiques de la pratique excessive, c'est souvent un temps important sur un seul et unique jeu. C'est vraiment le fait d'être sur un jeu. Et là, encore une fois, ça, c'est moins d'1% des joueurs. Donc ça reste relativement faible et il ne faut pas non plus stigmatiser. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus des gens qui ont une certaine fragilité. Mais voilà, il y a des jeux aujourd'hui qui sont construits pour appuyer sur la fragilité de certaines personnes. Il faut être vigilant. Il faut vraiment être vigilant. Et oui, les jeux positifs, il y en a énormément. Et même Fortnite est un jeu positif. C'est-à-dire que Fortnite, il y a la création d'une communauté, d'échanges avec des gens qu'on peut retrouver. Hein. C'est-à-dire que, ben, je parlais de mes enfants, mais mes enfants qui jouent à Fortnite, ils jouent avec le grand. Il joue avec ses copains d'école. C'est-à-dire que le samedi, il se retrouve avec ses copains d'école et il discute en jouant à Fortnite. C'est presque, si je puis me permettre, un téléphone comme on pouvait l'avoir ma génération, c'est-à-dire un moment où on se retrouve ensemble. Et encore une fois, le problème, c'est toujours l'équilibre qui est toujours discuté, ou du moins l'équilibre à trouver. Un enfant qui joue à, enfin, des enfants qui jouent à Fortnite, si vous l'interdisez vous-même de jouer à Fortnite, lorsqu'il retrouvera ses copains le lundi à l'école, ben, ses copains parleront de ce qu'ils ont fait ensemble, et lui, s'il n'a pas joué, il se retrouvera exclu. Donc, c'est vraiment intégré dans la genèse des enfants. Et je crois que tout ça, c'est à construire dans sa globalité. Et oui, il y a de nombreux jeux positifs, je vois tout à l'heure. Quelqu'un qui me parlait de simulations d'avion, c'est excellent. C'est vraiment quelque chose de positif qui permet de progresser. Moi, j'ai beaucoup joué à Tetris étant jeune. C'est vraiment un jeu. J'ai pas eu une pratique excessive, mais c'était le seul jeu que j'avais, donc en même temps, j'avais pas le choix. Ben, j'ai appris plein de choses. Et quand j'ai eu par la suite à travailler dans mon métier qui est la mécanique, donc de faire des dessins de mécanique, forcément la vision, je l'avais plus importante, je pense. Là là, je me suis fait avoir encore une fois. Alors, sur les propos de Brigitte Macron, j'ai eu l'occasion d'en parler au début de mon stream, mais je vais revenir dessus parce que ça me semble important de répondre à ce sujet-là. Comment s'est passée un peu l'histoire? Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était le matin, je crois que c'était vendredi matin, jeudi matin, je sais plus. C'était sur TV7 qui disait, en gros, alors je parle de mémoire, mais voilà. Brigitte Macron s'engage contre les effets néfastes du jeu vidéo. Et d'ailleurs, ça a été repris d'ailleurs par Femme Actuelle qui disait, voilà, la première dame va se rendre en guerre contre la pratique du jeu vidéo qui est néfaste et négatif. C'est pas forcément les termes exacts, hein, j'ai pas les éléments dans les yeux, mais voilà en gros ce qui était dit, c'est-à-dire que Brigitte Macron voulait s'engager contre le jeu vidéo et principalement contre Fortnite, qui était négatif pour les jeunes. Et là-dessus,
BFM a fait un vrai travail d'analyse et je vous encourage à aller voir sur Twitter ou sur tout autre support les propos de Benoît Galerich, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Benoît Galerich, qui pointait de façon très précise comment s'était construit cette rumeur, parce qu'on va dire que c'est une rumeur. Donc Brigitte Macron, comme vous le savez, et comme toutes les premières dames avant elle, participe à l'opération Pièce Jaune. Et donc dans ce cadre-là, elle est amenée à faire de nombreux déplacements. Et donc dans un de ces déplacements, elle a assisté à une pièce de théâtre réalisée par les jeunes qui abordait justement le jeu Fortnite, c'est-à-dire que les jeunes dans la pièce disaient voilà, tu passes trop de temps sur Fortnite, etc., 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 etc. Et là-dessus, donc Brigitte Macron a réagi, et d'ailleurs je me suis noté la phrase parce que je pense que c'est important d'être très précis. Elle a dit, alors attendez, je prends mon papier. Et elle dit voilà, Fortnite c'est terrible, quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu'ils arrêtent? Et donc elle s'interroge justement sur le fait que certains jeunes passent trop de temps sur Fortnite. Et en vrai, il faut pas se mentir, c'est une réalité. Moi le premier, je suis vigilant à ce que mes enfants puissent jouer à Fortnite, mais qu'ils n'y passent pas non plus trop de temps dessus. Voilà, je crois que c'est toujours une histoire d'équilibre. Et donc le seul journal qui était présent, le seul média qui était présent, c'était La Nouvelle République, qui a fait un article sur son déplacement, avec un titre en plus qui n'aborde pas du tout le sujet Fortnite. Dans le corps de l'article, il aborde juste justement ce petit passage-là. Et donc on voit que certains médias ont, par raccourci, déformer les propos de ce qui a pu être dit. Après, il y a aussi l'envolée, si je puis me permettre. C'est-à-dire que pour des personnes qui jouent aux jeux vidéo, et je parle pour moi qui ai bientôt 40 ans, on a tellement été, entre guillemets, stigmatisé par la pratique vidéoludique, que dès qu'on entend une personne qui fait de la politique de façon plus ou moins loin, ou même qui a des responsabilités, parce qu'on peut penser aussi à l'approche qui a été celle du jeu vidéo, qui a été faite par les médias sur le jeu vidéo, qui a pu parfois être un peu stigmatisante. Donc c'est vrai qu'on a tendance, et je le dis moi en premier, dès qu'on voit un article, à bondir et à réagir. Et à réagir de façon assez rapide et néfaste. Oui. C'est pas un snipe, non? J'ai mis mon snipe. Je crois que j'ai pris un snipe. Donc, voilà, je reviens sur ce que je disais. Excusez-moi, j'étais concentré par ma game. C'est vrai qu'on a tendance à réagir de suite à tout en disant ça y est, encore un qui connaît rien aux jeux vidéo. Je vais prendre l'exemple, par exemple, que tout le monde connaît, les Meuporgs. Quand on voit ce journaliste qui aborde les MMORPG de façon très stigmatisante en plus, et de façon beaucoup, beaucoup plus précise. De façon beaucoup plus précise au World of Warcraft. On avance forcément à réagir un peu à chaud et sans retenue, mais voilà, je pense qu'il est aussi important de pouvoir vérifier les sources et de s'assurer que. Il y a quelqu'un qui est pas loin là. Et de s'assurer que finalement les propos n'ont pas été sortis de leur contexte, comme ça a pu être le cas. Oui, de toute façon, moi je crois que c'est qu'une histoire générationnelle. J'ai regardé hier en replay le passage de McFly et Carlito, bon, que tout le monde connaît ici, hein, je ne vais pas dire qui c'est, sur Canal. Et on voit à quel point
ces médias-là commencent aujourd'hui à devenir vraiment beaucoup plus écoutés et suivis que ça peut être le cas par le passé. Au début de mon mandat, Squeezie était passé chez Ardisson et j'avais d'ailleurs réagi, j'avais trouvé vraiment Ardisson irrespectueux. Voilà, il a dit, ah, vous filmez en train de jouer aux jeux vidéo, et c'est vous gagnez de l'argent. C'était vraiment malvenu. Et je crois que les choses vont évoluer, c'est en train d'évoluer, et que bientôt, ce genre de débat n'existera plus. Mais je pense que ça va aussi nous amener, et surtout vous d'ailleurs, si je puis me permettre, je pense aux jeunes, à prendre ça avec beaucoup de recul. Moi, j'aime bien la musique rock, et il y a un groupe qui, à l'époque, avait abordé le sujet, qui était The Who, sur une musique, un morceau qui s'appelait My Generation, et qui appuyait le fait que, justement, nous aînés, enfin, que les aînés de l'époque ne les comprenaient pas, que c'est pas normal. Et en fait, cette génération The Who, maintenant, c'est celle de vos grands-parents, et elle vous comprend pas, et elle a tendance, pour certains d'entre eux, à être critique. Nous aussi, et vous aussi, à un moment donné, vous serez parents et grands-parents, et vos enfants auront des pratiques différentes de vous. Et je pense qu'il faut accepter. Il faut l'accepter. Voilà, et qu'il faudra l'accepter. Et ne pas juger. Ah, pardon. Et je crois que là, il faut chaque génération est différente. Ah, c'est là où je suis pas bon. Squeezie Ardisson, c'était vraiment chaud. Ouais, exactement, enfin, moi j'avais vu ça, j'avais vraiment fait des bons. L'image de l'esport mérite d'être embellie. Je sais pas si elle pourrait être embellie en fait. Je crois qu'elle est déjà, l'image, elle est belle. Je crois que surtout, elle n'est pas connue. Je crois que c'est ça peut-être le sujet. J'ai eu la chance de pouvoir participer, de pouvoir regarder les qualifications pour la Coupe du Monde d'Overwatch au niveau européen à Paris. Quand il y avait l'équipe de France avec Sun Nanko, qui s'était qualifiée en battant d'ailleurs l'Angleterre en dernière game de façon très large. Enfin, l'ambiance était juste extraordinaire. Extraordinaire. Et les personnes qui aujourd'hui critiquent l'e-sport, je crois que surtout, elles ne connaissent pas l'e-sport. Elles ne connaissent pas la pratique vidéoludique. Et je crois que le rôle qu'on peut se donner tous collectivement, c'est pas justement de critiquer ces personnes-là, c'est de les amener à découvrir. Il y a peu de temps, avec quelqu'un d'e-sport, et elle me disait, oui, mais en fait, l'e-sport, c'est juste la pratique du sport en jeu vidéo. En fait, du FIFA ou du NBA 2K. Ben non, en fait, c'est bien plus large, c'est bien plus complet que ça. Et donc, ces personnes-là, forcément, elles vont avoir potentiellement une vision négative parce qu'elles ne connaissent pas. Et donc, il faut expliquer, il faut montrer, et puis ça va rentrer dans les mœurs. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'une histoire de génération. Ben d'ailleurs, je vais aborder un petit sujet sur les générations, parce que j'ai un collègue député de Strasbourg, il s'appelle Thierry Michels. Et donc un jour il vient me voir, Thierry, là, moi j'ai beaucoup évolué sur le jeu vidéo, parce que au début j'y connaissais rien. Et mon fils, il passait beaucoup de temps dessus, mais je l'ai jamais trop embêté parce qu'il avait des bonnes notes. Et un jour, il est venu me voir, mon fils, et il m'a dit, bon papa, j'arrête l'école parce que je suis pris dans une équipe e-sportive. Et je vous cache pas que le père a fait des bons, a été l'école pour faire du jeu vidéo de façon compétitive. Pour lui, ça lui a fait peur. Et c'est tout à fait normal. Et comme tout parent, ça ferait peur. Et en fait, ce joueur-là, peut-être que certains le connaissent, plutôt il s'appelle Steve.
Il a été l'un des meilleurs joueurs français de League of Legends. Il a par exemple joué à l'époque chez PSG eSport. Et son père, donc un collègue député, me disait à la fin, ben, au début j'ai eu peur, et quand j'ai vu comment mon enfant s'épanouissait et tout ce qu'il a appris dans cette période-là, ben, je me rends compte à quel point je connaissais pas le sujet, à quel point j'avais besoin d'apprendre à le connaître. Donc là, je crois que les parents ne sont pas tous opposés à la pratique vidéoludique, mais je crois qu'il faut aussi expliquer. Expliquer, et comme j'ai dit, encadrer pour que la pratique vidéoludique ne devienne pas non plus un miroir à l'échec. Quand je dis ça, je vais essayer d'expliquer, c'est que ben, pas tout le monde peut devenir e-sportif, quoi. Il y a que très peu de place pour beaucoup de personnes qui espèrent le devenir. Et qui sont d'ailleurs très bons, mais entre être très bon et être professionnel, la marche est très 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 importante. Mais oui, ça peut être utilisé comme un vecteur pour la maîtrise des outils numériques et comme éventuellement une porte d'entrée vers des métiers annexes qui sont proches de l'e-sport, qui peuvent être du numérique et qui peuvent voilà, permettre potentiellement de rentrer dans la vie active. Oui, MCES avec Romain Sombré que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui a une approche vraiment très, très intéressante, hein. D'ailleurs, peu le savent, mais MCES, ça veut dire Mon Club e-sport. C'est-à-dire que lui, Romain Sombré et sa femme, parce qu'ils sont tous les deux sur le sujet, ont vraiment la volonté de construire l'accompagnement des jeunes en utilisant le vecteur de l'e-sport. Donc il y a quelques e-sportifs qui sont tête d'affiche. Mais à côté de ça, c'est surtout des endroits de rencontre, d'échange et de plaisir. Exactement, il faut un cadre. Vous étiez peut-être pas là lorsque j'ai abordé le sujet tout à l'heure et je vais ça va permettre justement de pouvoir le réaborder et le mettre en avant. Avec la commission des affaires économiques. Excusez-moi, j'ai eu cette occasion, cette occasion justement de pouvoir réfléchir sur comment on pouvait structurer l'e-sport. Et je crois beaucoup au modèle quelque part que développe MCES, c'est-à-dire des clubs où on pratique le sport d'une part et l'e-sport de l'autre, accompagnés de professionnels qui construisent et qui donnent les outils aux enfants et aux parents pour une pratique vidéoludique saine. C'est pas en jouant 20 heures ou 30 heures, enfin 30 heures, c'est pas en jouant 18 heures par jour qu'on devient e-sportif professionnel. J'ai pas mal échangé avec j'ai pas mal échangé avec Nox. Pour ceux qui s'intéressent à Overwatch, il faisait partie de l'équipe Rogue à l'époque, avant que le World League se monte. Il a même participé aux mondiaux et il a été coach de l'équipe 2, si je puis me permettre, des jeunes de Londres. Et en fait, lui a vraiment travaillé sur la notion d'intensité à l'entraînement. C'est-à-dire que souvent, la progression se fait par la récurrence et l'apprentissage. Je dirais par la récurrence de stratégies et de pratiques. Et lui a plutôt travaillé sur la notion d'intensité. C'est-à-dire, je fais faire des sessions de 1h30, 2 heures d'entraînement, avec derrière un débrief, et c'est fini pour la journée. Donc vraiment beaucoup plus d'intensité dans l'entraînement, plutôt que sur la notion de répétitivité et de récurrence, et une vraie analyse des performances individuelles. Et il me disait que les résultats qu'il avait était meilleur que lorsqu'il avait créé au début, lorsqu'il met en place au début, cette notion d'entraînement par récurrence. Donc là, on n'est qu'au début de la pratique e-sportive, et je pense que ça va progresser. Mais voilà, il y a vraiment de gros travaux. Et puis, pour aller plus loin, il faut regarder aussi ce qui se passe dans le pays phare de l'e-sport, qui est la Corée du Sud, il ne faut pas se mentir. On voit que sur beaucoup de jeux, la notion de travail
excessif, puisqu'on peut parler, à mon sens, de travail excessif, fragilise les jeunes. C'est-à-dire qu'ils font de l'e-sport à haut niveau pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après ils craquent. Après, ils n'arrivent plus à tenir la pression que ça engendre. Et je crois que là-dessus, voilà, c'est aussi aux spécialistes de se préparer. Et je vois d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup d'équipes, hein, je pense par exemple à Vitality, s'entourent d'anciens professionnels du sport pour justement faire cette préparation-là. Il y en a un qui me tire dessus, mais il ne faut pas où c'est qu'il est. Nous allons nous croiser le 23. On se croise le 23. Vous me parlez à moi ou vous parlez à quelqu'un d'autre? Il y en a un qui me tire dessus là. Alors, un sexisme, enfin, alors, il y a un sexisme exacerbé dans le milieu de l'e-sport coréen. Ben, en fait, permettez-moi de dire que, il y en a qui me tire dessus, je sais pas ce qu'il est, que c'est malheureusement pas que dans le milieu de l'e-sport coréen. C'est dans l'ensemble des milieux e-sportifs. Et d'ailleurs. Ah oui, exactement, exactement. Tout à fait. C'est malheureusement pas que coréen. En fait, c'est une dernière game et après j'arrête parce que si je dis à mes enfants qu'ils ne veulent pas passer trop de temps sur le jeu, c'est pas pour faire pareil de mon côté. L'e-sport aujourd'hui, il suffit de regarder la LEC par exemple et même la LFL. Il n'y a aucune fille, aucune fille. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui que Vitality avait. Choisis une femme pour faire de l'échec, des échecs de façon e-sportive. Je trouve que c'est extrêmement positif. Mais pour venir au sujet, aujourd'hui, il n'y a pas de femmes ou très peu de femmes dans l'e-sport. Il y a aussi peu de personnes avec handicap. Alors que l'e-sport a ce grand avantage, c'est que avec un handicap ou en étant une femme, on est tout à fait au même niveau qu'un homme. Voilà. On est tout à fait au même niveau qu'un homme. Il n'y a rien qui explique une différence de niveau. Et que donc, le fait qu'il y ait moins de femmes que d'hommes au haut niveau est questionnant. D'ailleurs, dans mes travaux, la première personne, la première entité que j'ai rencontrée, c'est l'association Women in Game, qui travaille justement sur la place des femmes dans l'industrie vidéoludique de façon très large. Donc avec Women in Game e-sport, mais aussi au sein même des entreprises. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises du numérique et du jeu vidéo ont du mal à dépasser 15% de femmes dans leurs effectifs. Ah, donc il y a aujourd'hui un vrai sujet, une vraie difficulté. Et dans mes travaux au sein de la commission des affaires économiques, ce que je disais, c'est que l'objectif de ces clubs, comme le fait d'ailleurs MCES, c'est lorsque les parents amènent principalement leurs enfants, garçons, pour pratiquer du jeu vidéo au sein de cette association-là, au sein de ce club-là. Ce qui serait positif, à mon sens, à faire, c'est aussi d'encourager les petites sœurs, les grandes sœurs, à venir y participer. Et je crois que c'est très important que les jeunes filles puissent. Il y a quelqu'un dans le coin, faut vraiment que je trouve une arme rapidement, parce que je suis mal barré. Que les jeunes filles puissent rapidement, entre guillemets, intégrer ces structures-là, gagner des matchs contre les jeunes garçons et appuyer sur ce sujet-là. C'est-à-dire appuyer sur le fait que les filles sont aussi bonnes et que les garçons n'ont pas à stigmatiser les filles. Parce que dans le jeu vidéo, souvent on dit, ah, tu t'es fait battre par une fille, la honte. Ben non, pas la honte. Non, pas la honte. C'est normal qu'une fille puisse gagner contre un garçon et inversement. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de différence de niveau entre une fille et un garçon. Et je crois qu'il est important rapidement de mettre tout le monde autour d'une console ou d'un ordinateur pour que ces idées reçues puissent être le plus rapidement possible effacées. Il a fait quoi votre fils alors aujourd'hui?
Exactement, sur le partage, on a une association et je vous encourage vraiment, pour ceux qui ne la connaissent pas, à aller voir ce qu'ils font, c'est juste extraordinaire. C'est l'association qui s'appelle Cap Game. Et donc Cap Game travaille autour du jeu vidéo pour permettre à chacun de pouvoir jouer avec son handicap. Par exemple, par le développement de manettes spécifiques aux personnes qui ont des problèmes au niveau des mains. Et ils essayent de trouver des solutions au niveau d'abord donc du hard, de l'ensemble des équipements annexes, mais aussi au niveau du jeu. C'est-à-dire que il y a des couleurs, par exemple, qui sont moins bien vues par rapport à certains handicaps. Il y a des endroits dans l'écran où, quand un message est marqué, pour ceux qui ont des difficultés de vision, c'est plus compliqué. Donc, Cap Game, là-dessus, donne des astuces aux développeurs pour que, justement, les jeux, quand ils sont développés, puissent être développés pour être le plus facilement utilisables et jouables par tout type de handicap. Et ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. Et je pense à la personne que je rencontre souvent, qui s'appelle Jérôme Dupire. Enfin, vraiment, c'est... voilà, c'est... J'ai pas de mots pour dire à quel point je suis admiratif sur cette association, sur tout ce qu'elle fait avec pas de moyens, en fait, parce que c'est une association, donc ils se débrouillent avec ce qu'ils ont et ils font un travail qui est juste extraordinaire. Donc je peux que vous encourager à aller voir leur site web et éventuellement quand vous passez, si vous allez à la Paris Games Week, d'aller les voir, de souligner la qualité du travail qu'ils font. C'est important que ces personnes qui s'investissent sans rien demander, si ce n'est que de faire que d'autres personnes qu'eux puissent vivre mieux et de façon plus heureuse, puissent être mises devant en avant. OmniGamer aussi fait vraiment un grand travail, un très beau travail. Bon, et puis j'ai aussi pas mal échangé avec vais essayer de la voir lui, même si c'est mieux typiquement. Je pense à une autre personne qui s'appelle Hammerkick, qui est donc un commentateur de la scène Overwatch, que je vous encourage aussi à suivre. Hein, c'est vraiment les belles réussites du jeu vidéo. On a très souvent tendance à stigmatiser, à pousser les quelques cas qui sont vrais, d'ailleurs sont dramatiques et pragmatiques, mais sans pousser les très très belles réussites. Ouais, là, c'est fini pour moi. Et il faudrait que votre fils puisse me faire progresser, parce que vraiment, je suis pas bon du tout. Donc, je disais, et donc Hammerkick a des difficultés vraiment au niveau d'une maladie, et il m'appartient pas à moi d'aborder cette maladie-là, mais lui, il s'était refermé sur lui-même à cause de sa maladie. Et en fait, la pratique du jeu vidéo lui a permis de rencontrer des personnes et de sortir, pas de sa maladie puisqu'il l'a encore, mais de trouver un moteur pour sortir de chez lui et rencontrer des gens. Et aujourd'hui, il en est, mais alors, extrêmement heureux. Je crois qu'il n'a jamais été autant heureux de sa vie, si je puis me permettre. Après, je ne vais pas parler pour lui, de cette réussite-là, parce que c'est un moteur pour lui. C'est quelque chose qui au quotidien, le rend heureux. Et je crois que là-dessus, il faut vraiment souligner la partie qualitative, ce que peut apporter de façon positive le jeu vidéo. Alors, je vais vous remercier à toutes et à tous d'avoir pris un petit moment pour échanger avec moi ce soir. Au niveau du stream, j'ai un prochain stream mardi, donc dans 2 jours. Au sujet, alors là, ça va être de la politique, au sujet de la proposition de ce qu'on appelle PPL, animaux, avec mon collègue Louis Dombreval, qui était le responsable de ce texte-là. Et donc, en fait, on va vous présenter tout ce qui a été fait sur cette PPL pour protéger nos animaux.
D'ailleurs, vous avez dû entendre parler, c'est par exemple l'interdiction d'utilisation des animaux dans les cirques. Donc là, on va présenter, et puis on va aussi échanger avec vous sur ce sujet-là. Et puis, bien entendu, je vais essayer de restreamer du jeu vidéo. Alors, du Fortnite, pourquoi pas, mais il faudra que je sois avec des gens un peu meilleurs pour m'aider. Mais aussi d'autres jeux. J'aimerais bien faire du Dungeon Albuck. C'est un très beau jeu qui a été développé par un studio français. Je vais peut-être l'acheter. Et puis peut-être essayer de streamer dessus, peut-être d'ici une semaine ou deux, pour le découvrir avec vous. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Moi, je suis à votre disposition si vous avez des questions, que ce soit d'ailleurs sur mes prochains streams ou même sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas, j'essaye de répondre au maximum aux interrogations qui me sont faites. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et puis un bon match pour ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, en parlant de MCS, c'est Marseille. Ce soir, on a OM-PSG. Donc, pour ceux qui peuvent, je vous souhaite un bon match. Et puis, moi, je dis bravo aux vainqueurs. Et puis voilà. Merci à vous, bonne soirée.